Bonjour, bonjour. Bonjour les élèves. Bonjour. Ça va. D'autres ont dit oui, d'autres ont dit non. Ça c'est le quoi maintenant? Vous allez avoir l'occasion encore de nous voir devant vous. Nous allons venir vous donner notre cours. Et je parle de la France, les policiers ou les canards. Quand on a commencé le projet, il n'était pas évident que les populations se rapprochent des FDS. Mais aujourd'hui, de nos jours, je pense qu'avec toutes les activités qu'on a menées, les populations sont de plus en plus proches des FDS. Et on sent surtout au niveau des élèves là, qu'il y a une certaine familiarité qui s'est créée, une certaine complicité entre les FDS et la population. On a touché les élèves du lycée, les lycéens, les secondaires. On a touché les élèves du primaire. On a touché, en tout cas, la société civile en tant que telle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir relevé les grands défis au niveau de la communication, de la sensibilisation et au niveau de la collaboration entre les FDS et la population. Et les agents de police aussi, c'est eux qui empêchent les délinquants de vous voler. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, quand vous êtes à l'école, dans l'Amérique, il est municipal. Vous avez compris? Oui. Il peut continuer à organiser ce genre de rencontres pour sensibiliser la population à ne pas avoir peur des FDS parce qu'ils sont là pour nous protéger. Aujourd'hui, à travers les sensibilisations, on a plus peur d'eux. Aujourd'hui, il nous a montré qu'ils ne sont pas violents, mais ils sont là pour nous, pour la sécurité de tout le monde. C'est surtout au niveau des jeunes qu'on peut avoir une dynamique qui permet d'inverser beaucoup de tendances en matière d'insécurité. Donc, les jeunes constituent un groupe stratégique. Si les jeunes acceptent s'engager dans les changements, c'est sûr que c'est toute la communauté qui va bénéficier justement de cet impact-là. Je n'ai pas peur, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous savez ce qu'ils doivent faire. Les FDS devraient plus faire des campagnes de sensibilisation, je dirais, pour qu'on puisse avoir plus d'éclaircissements sur leur système de travail. Ça va permettre à la population et les FDS de rentrer plus en contact ensemble. Et ensemble, ça va permettre aussi également aux populations de collaborer plus avec les services de sécurité pour qu'on puisse éradiquer un peu les mœurs qui sévissent notre population. Aujourd'hui, on vous a donné des numéros, on vous a donné certaines informations, peut-être que vos parents n'ont pas. Dites à vos parents, quand vous partez au marché, prenez vos pièces d'identité. Quand on est venu, ça peut échanger avec vous, pourquoi on parle des armes.